Coucou. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit tuto, voilà, ou une astuce, si on peut appeler ça comme ça. En fait, je n'ai pas le dise Polaroid, comme beaucoup d'entre vous, et je me suis dit, il faut que tu réussisses quand même à en faire, parce que j'ai dans la tête quelque chose. C'est pour un cadeau, donc je ne peux pas vous le faire voir tout de suite. Mais quand ça sera fait, de toute façon, je vous le ferai voir. Bref, donc on va essayer de. Je me suis un peu creusé la tête sans creuser beaucoup, hein, parce qu'en fait, voilà. Et je me suis dit, Bérangère, il faut absolument que tu saches faire ça. Même si t'as pas la plaque, on va essayer de le faire. Donc du coup, je trouve ça sympa, même pour une carte, vous voyez. Donc là, j'ai fait une petite carte Vive les vacances. Et en fait, voilà. Je trouve ça sympa, ce petit cadre Polaroid. Donc tout simplement, on va changer de rue, comme on dit. Et je vais vous faire voir en photo. Enfin non, on va même rester ici en fait. Je vais juste prendre ma toga et puis on va rester là. Donc, on revient. Donc, tout simplement, on va venir. Alors attendez, je vais vous mettre un petit peu plus décalé. Voilà. Donc, j'ai pris mes deux carrés de cette planche-là, enfin, de ces dies-là de chez Action. Donc, j'ai pris les deux dies qui sont sans couture ni sans bord ondulé. Voilà, je les ai mis, vous voyez, à petit espace là et petit espace là. Et là, bon, c'est pas grave puisqu'on découpera un des deux côtés. Donc, on y va. Ça, c'est notre première découpe. Bon, si je mets pas là, ça va pas le faire. On y va. Mon petit sandwich. Et c'est parti. Donc ça, c'est fait. Donc je viens chercher ma découpe qui se passe comme ça. Hop. Voilà, donc vous obtenez ça. Ensuite, naturellement, on va venir découper ce côté-là ou ce côté-là puisque c'est un carré et naturellement c'est les mêmes côtés. Donc, tout simplement, je reprends mon grand carré et je vais venir le mettre à peu près à la même dimension que mon autre côté. Et je viens reprendre mon petit washi pour pas que ça bouge. Voilà. Tac. Allez, go. On y va. Donc quand on n'a pas les dies, eh bien on fait avec les moyens du bord. Et bah, c'est ce que j'ai fait. Tout simplement. Pas acheter un dice photo puisque je peux le faire comme ça. Voilà. Donc, paf, et voilà, tout simplement, j'ai ma découpe. Vous voyez, il n'y a franchement rien de sorcier. Donc après, tout simplement, on va venir découper les bords et puis on fait notre créa. Donc ensuite, je voulais vous faire voir aussi mon dice pompon. Alors, mon dice pompon, pour faire les petits pompons, il est là. Il est là. Donc, c'est un dice comme ceci. Et donc, vous voyez, il est rainuré. Donc là, ça découpe et ça ne découpe pas. Alors, je ne sais pas. Bon, bref. On va venir faire un pompon. Je reviens, je prends du papier et je reviens. Voilà. Donc, j'ai trouvé mon papier. Donc, j'ai pris ce papier-là. Le papier que j'avais trouvé chez Noz, là, avec tout ce qui est marin. Et donc, je vais venir prendre ma plaque et mettre, bien sûr, ma plaque sur un des côtés, peu importe. Et on va venir donc découper le papier. Hop, go.
Il fait une chaleur, c'est pas possible, quoi. Hier, avec mon mari, on est allé en moto à Andernos-les-Bains. Donc Andernos-les-Bains, sur le bassin d'Arcachon, c'est juste en face. Et en fait, quand on a dîné en terrasse, front de mer, enfin c'est pas un lac, c'est un bassin, le bassin d'Arcachon, bien sûr. Et le mec au restaurant nous dit, nous sommes en vigilance jaune ou orange, machin, si vous voulez, il y a la clim à l'intérieur, vous serez bien et tout. Mais je me suis dit, c'est une plaisanterie ou quoi là? Et en fait, il y a eu de l'orage. Donc, je vous dis, en face à Andernos. Et quand on voyait en face à Arcachon, il y a eu un orage immense. Même au Cap Ferret, il y avait des éclairs énormes. Donc, bien sûr, on est rentré sous la pluie en moto. Ça, c'est pas mal. Mais alors, heureusement, moi qui voulais l'Arcachon hier soir, heureusement qu'on n'y est pas allé. Parce que je ne sais même pas si c'est passé à la télé. Mais alors, les rues étaient inondées à Arcachon. C'était n'importe quoi. Nous, on n'a pas eu ça quand même. Il a plu, mais juste. Juste plus quoi. Bon bref, c'était juste une parenthèse, un petit blabla. Donc ma découpe. Hein. Donc on va pas voir grand-chose parce que c'est pas simple. Mais là, je vais venir vous la découper sur le bureau et puis on va venir faire la suite. Je vous reprends. Donc, tout d'abord, on a fait notre petit pola. Donc le petit pola, donc on va pas découper comme je vous ai dit tout à l'heure où j'étais avec ma toga. Mais on va venir arrondir les angles pour que voilà, ça fasse une chose comme ça. Donc par contre, ne prenez pas trop de papier trop léger. Prenez quand même quelque chose d'assez dur si vous voulez si vous voulez le mettre sur une créa ou surtout pour un DIY, hein, je vous disais, pour une déco maison. Voilà. Il faut quand même quelque chose qui tienne. Donc vous voyez, j'arrondis les angles. Et alors on n'est pas obligé d'arrondir. Hein. Franchement, il n'y a rien d'obligatoire. Hein. C'est pas. Et voilà. Tout simplement, j'ai fait mon pot là. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, le pompon. Donc le pompon, je vais venir. Tout simplement couper la dernière voilà, dernière pliure, enfin la dernière coupure, et là je vais venir couper le bord. Alors après on peut venir mesurer pile poil le dies. Vous prenez les mesures du dies et puis vous venez faire votre pompon tout simplement. Donc voilà, ça vous donne ça. Et ensuite, tout simplement, vous venez rouler. Donc là, c'est du papier quand même assez léger, donc ça va être un peu plus compliqué. Mais tout simplement, on vient rouler notre papier. Alors, j'ai pas envie de le. Parce que comme c'est du papier fin, je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Je ne suis pas sûre du résultat. Allez. Je m'y prends peut-être comme un manche. Mais bon. Alors c'est vrai que c'est plus facile quand on met quelque chose au milieu, j'avoue. Mais bon, c'est pas non plus obligatoire. Alors naturellement, là je vous fais voir ça comme ça. Moi je le fais une fois. Ensuite je le déroule, je le colle et je le renroule. Parce qu'au moins il a pris la forme de l'arrondi, si vous voulez. Et je trouve que pour coller, c'est plus simple ensuite. Voilà. Dans une petite créa ou sur un porte-clés, je trouve ça rigolo. D'ailleurs, je vais essayer aussi avec le simili-cuir qu'on a eu chez Action. Et puis, je vous le ferai voir dans une autre vidéo. Donc voilà le petit pompon en question. Donc, vous voyez, il n'y a rien de sorcier. Donc, il est bien rond. Et donc, ça donne ça. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, ben, je vais venir le coller et puis. Et puis faire une petite déco comme j'ai fait à celui-ci avec une petite perle que Marie m'avait offert avec des petits trucs comme ça que ma fille avait dans sa fimo, là, les branches que l'on met dedans, enfin les branches, les tiges en fer. Et le tour est joué. Voilà, donc c'était une petite vidéo toute rapide avec des petites astuces surtout pour le Polaroid qui
Moi, ça me plaît bien de faire des créations avec ça. Je trouve ça chouette. Après, on peut même, quand c'est un anniversaire, on peut mettre une photo de la personne. Voilà, c'est sympa. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine puisque la vidéo va être mise soit ce soir, donc on est dimanche, 1er juillet, hein, ça y est, c'est les vacances. Enfin, même si les enfants ont cours jusqu'à vendredi prochain, il y en a beaucoup qui sont descendus. On l'a vu sur la rocade bordelaise, hein, la queue, c'est un truc de fou, les bouchons. Vendredi soir, je mets 10 minutes, 10-12 minutes pour rentrer chez moi, j'ai mis 45 minutes. Donc bon. Après, il faut prendre son temps en patience, ce que je fais. Tranquillou, il y a la clim dans la voiture, on ne stresse pas, on attend, on chante et puis le temps passe. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à très bientôt. Bye bye!